avec Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis. Bonjour. Bonjour. Alors, merci. Hello, Jean-René. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé et comment vous les avez vécus ces événements? Mais ça n'a rien passé de spécial. Rien à signaler, rien à déclarer. Chez Lactalis, tout va bien. Ça gère, ça contrôle. On vous a. Vous avez quand même jeté du lait dans les océans. Vous avez tué des milliers de poissons. Oh, qu'est-ce que. Une dizaine de poissons. 6 ou 7. Sitôt plus, les chiffres ont été exagérés. Hein. On m'accuse d'avoir assassiné un écosystème entier. Non, je crois pas, non. Parce que ma femme s'est baignée dans la rivière, elle n'a eu aucun problème. Hein. D'ailleurs, j'ai même retrouvé son petit doigt. Donc, vous voyez, aucun problème dans cette rivière. Hein. Mais vous avez quand même jeté du lait, ça vous le... Du lactose. Du lactose. Hein. Ça, vous avez commencé à en mettre le 18. Le 18. Ouais. Le 18 alors ça... août dernier. Et vous avez 4 jours après, donc le 21 août, vous avez dit ce qui se passait. Non. J'ai donné l'alerte. Le 18, c'est les médias français qui ont relayé trop tard l'information. Hein. C'est pas moi. Hein. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez pas vous. Quel serait mon intérêt? Vous n'allez pas vous en prendre aux médias français et internationaux. Alors, vous avez quand même prévenu 4 jours après pour que les temps se vident et on a retrouvé des milliers de poissons décédés de votre faute. Une dizaine. Il y a eu contre vous des manifestations toute la semaine et la semaine dernière et la semaine d'avant. Non, des quelques badauds qui prenaient des photos, c'était des touristes devant l'usine. Non, évidemment. On y était il y a quelques semaines. Hein. J'ai vu les caméras, c'est des touristes. Alors, vos employés vous ont demandé quoi précisément quand vous les avez reçus la semaine dernière? Les employés sont satisfaits. Chez Lactalis, tout le monde est satisfait, de toute façon. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi ils retournent en manifestation? Ils ont retourné en manifestation lundi dernier, ils sont retournés en manifestation samedi dernier. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je viens là, je donne du boulot aux gens, après, je donne du lait aux poissons, et puis c'est ça le remerciement? C'est ça, comment qu'on me remercie à moi qui viens donner de l'argent à la France, là? Vous le savez très Lactalis, bien. Lactalis, attention, là, monsieur Jean-René, là, parce que vous vous insinuez des choses qui sont graveleuses. Hein. Moi, vous savez combien je pèse, monsieur? Je pèse 17 milliards d'euros, s'il vous plaît, monsieur. Eh oui, 17 milliards d'euros. C'est hein. Parce que moi, j'ai Bridel, j'ai Bridelis, ok? J'ai Galbani. C'est Bibi. C'est des faits qu'on a été... Salakis. C'est Bibis. C'est des faits. Le président. Stop. Bon. C'est des choses qui ont été montrées. Et ah, qui ont, j'ai rien vu, qui moi. Sont, qui sont vraies. Vos employés vous ont dit des choses, ils vous ont demandé des consignes, est-ce que vous allez les respecter? Nous allons en discuter avec le patronat, mais comme le patronat c'est moi, ça sent le camembert pour certains d'entre vous. Attention, hein, je vous ai à l'œil les employés, hein. Si demain matin vous n'êtes pas à 8h tapante au chantier, là, ça va mousser dans les smoothies, ok? Parce que y a du lait dans la rivière, hein. Il y aura pas de zéro hein, sur l'échiquier. Merci beaucoup Emmanuel Besnier. Besnier. Vas-y, Besnier. Non. Tes bisous. Je vous retrouve tout de suite en plateau. C'est qui le patron?